Bonjour Victoria! Salut Thierry. Oula! Avec toi. Mais t'es en pleine forme, rassure-moi, là. Oh, super fort. Il fait beau, on est déconfiné. Et puis c'est une petite semaine, c'est très beau. On Ok. va encore quelques jours de magnifique. Ok, tu te réjouis qu'on fasse très peu de live cette semaine, c'est ça en fait le truc. On n'en fait que Je me réjouis. trois. Voilà, c'est ça, oui. Je me réjouis d'avoir des petites vacances. Voilà. Ok, d'accord. Vous l'aurez compris, effectivement, Comin Mag Live, c'est lundi, mardi et mercredi, parce qu'après c'est relâche. On revient en deuxième semaine. Hein. La semaine prochaine, vous aurez le droit de revenir dès lundi 15h. Mais pour cette semaine, c'est lundi, mardi, mercredi. Comme à l'accoutumée, vous avez le droit de liker, de partager, de commenter. Je vois déjà des gens dans la chatroom. On fait un gros bisou à Anaïs qui nous dit qu'elle adore suivre nos lives pendant qu'elle bosse. Alors, je ne sais pas si elle écoute plus qu'elle travaille. On verra ça plus tard. Mais place maintenant à notre invité, mais je devrais dire nos invités. Victoria, là, tu fais fort pour un lundi matin. Ouais, il y en a deux. Il y en a deux. Et je ne sais pas si vous pourrez mettre la petite photo. Là, il s'appelle Ramon et Pedro. En réalité, il ne s'appelle pas Ramon et Pedro. Il s'appelle Laurent Fauchère et Antoine Tingly. Et ils sont cofondateurs et directeurs de création de Ramon et Pedro. Et moi, je les ai rencontrés en 2006 quand ils sont revenus en Suisse. Et j'aimerais qu'ils expliquent pourquoi ils s'appellent Ramon et Pedro. Je trouvais que cette histoire était très jolie. Salut. Bonjour à Alors, je vous ne sais pas. deux, bienvenue. Bonjour, Hello, bonjour. hello. Salut, salut. Alors, ce Ramon et Pedro, j'ai un souvenir, je me rappelle, ça avait un lien avec les heures. Je crois qu'il y en avait un qui était sur la côte est aux États-Unis et l'autre sur la côte ouest, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Ah, Donc j'ai ça, pas. c'était avant qu'on fonde Ramon et Pedro. Ramon et Pedro, on l'a fondé donc à New York il y a de cela 15 ans. Et puis, bah, effectivement, le nom vient du fait qu'on travaillait généralement assez tard pour la boîte qui nous employait à l'époque. Et puis, bah, Antoine et moi, on était directeurs de la créa dans une boîte qui s'appelait Trollback and Company là-bas. Et puis, bah, le service de nettoyage passait toujours très tard le soir. Et les deux seules personnes qui restaient au bureau, c'était donc Antoine et moi. Et le service de nettoyage, c'était des gens adorables qui parlaient qu'espagnol. Donc prononcer Antoine et Laurent, c'était impossible pour eux, quoi. Donc on s'est un petit peu rebaptisé Ramon et Pedro pour eux, pour qu'ils arrivent à prononcer nos noms, et puis c'est resté, quoi. Bon alors, qui est Ramon, qui est Pedro? Ah, ça c'est une bonne question. On dit toujours que Pedro c'est celui qui est de mauvaise humeur, donc c'est variable. Ah, Donc là vous d'accord. avez deux Ramon aujourd'hui, c'est bien. C'est ça. Alors, voilà, bah, ça nous fait très plaisir de vous avoir parce que dans notre live, on veut toucher tout type d'agence. Il n'y a pas que des agences de communication sur le marché. Avec vous, bah, c'est plutôt des sociétés de production, bien qu'aujourd'hui, vous êtes devenu aussi une agence de communication. Il y a plus de autant de frontières que lorsque vous avez démarré. C'est un bon point, ça. C'est vrai que ben, on se définit volontairement comme étant un studio créatif, donc un petit peu une mode, quelque chose d'hybride entre l'agence et la maison de production. Mais cela dit, on n'est pas en train de dire qu'on ne travaille pas avec des agences, bien au contraire. Hein, ce qu'on aime, c'est cette collaboration avec des agences. Et puis on a des agences qui viennent nous voir avec un brief complètement ouvert. Ils nous laissent complètement aller dans tout ce qui est créatif, et d'autres qui arrivent avec des briefs complètement fermés, des storyboards qui sont déjà testés, etc., où là on a un rôle de maison de prod vraiment vraiment basique, je dirais, quoi. Donc on a ces deux modes de fonctionnement, et on s'est rendu compte que c'est un petit peu ce qui fonctionne le mieux avec le marché actuel, en fait. Je me rappelle, en 2006, vous veniez avec un catalogue de réalisateurs new-yorkais, enfin américains, vraiment la pointe. Vous étiez très, très unique sur ce marché. Après, on a vu plusieurs. Enfin, le métier on faisait peu de spots hein, encore en Suisse romande. Après, on en a fait beaucoup plus. Il y a eu la vidéo. Est-ce que ça a changé votre manière de travailler? Alors, pour moi, je pense que c'est vrai qu'en débarquant en Suisse, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de business pour nous tout de suite et on avait la chance, heureusement, de pouvoir travailler à l'international, pas mal. Donc, on continue à bosser un peu pour New York, on bossait aussi pour la France et l'Angleterre.
Mais c'est vrai qu'après, en démarchant un petit peu et en allant toquer aux portes, on a réussi à créer quelques liens en direct avec certaines personnes et aussi notamment par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure, par le biais des agences, réaliser des spots. Et c'était toujours une force pour nous de pouvoir un peu mettre en avant notre savoir-faire anglo-saxon américain lié à ce qu'on aime bien définir comme le purisme suisse, parce qu'on est les deux graphistes avec Laurent, donc on a fait des études de graphisme à la base, mais tout ce qui est audiovisuel, on l'a un petit peu appris sur le tas. Donc voilà, on a ce savoir-faire, cette exactitude suisse, si on peut l'appeler comme ça, et puis cette fantaisie et cette force de travail qu'on a acquis aux États-Unis qui, pour nous, crée un joli mélange, quoi. Est-ce que justement cette facette suisse vous a valu justement des avantages? On parle du cinéma suisse, on parlait à l'époque de l'affiche suisse, il y a un design, il y a une typo suisse. Est-ce que dans le monde de la publicité mise en image, en vidéo, il y a aussi cette Swiss touch qui est recherchée par certains de vos clients, en tout cas à l'époque avec les clients internationaux? Ah, clairement, ouais. Clairement, c'est vrai qu'on a, ben, on a un peu profité de cette renommée, de ce savoir-faire suisse. C'est vrai que quand on travaillait à New York, on était vraiment ben, réputé pour être les petits designers suisses qui faisaient du motion. Donc, ils adoraient les layouts en Helvetica, bien, bien carré, bien propre, quoi. Et puis ça, c'est quelque chose qui est resté un petit peu notre ADN, notre marque de fabrication, quoi. C'est vrai que quand on a bossé, et on bosse toujours avec le groupe Canal+, ce qu'ils adorent, bah, c'est un petit peu cette rigueur suisse. Puis ce qu'ils adorent d'autant plus, c'est qu'on leur fait des plannings qui sont vraiment carrés et qui bougent pas, quoi. Et puis ça, c'est vrai que quand on a affaire à des clients parisiens, ils sont vraiment surpris de se dire, mais c'est pas possible d'être aussi psychorigide sur des plannings, les gars. Détendez-vous un petit peu, mais en même temps, Ça marche. on Ils a été apprécient. élevés comme ça, si j'ose dire, quoi. Ouais. Vous avez fait beaucoup de génériques aussi. Oui, Ça va ça, beaucoup dans la ouais. logique du graphisme, non? C'est ça, c'est un peu de nouveau, hein, notre passion pour le graphisme à la base. Et puis ça, c'est vraiment ce qu'on a développé aux États-Unis, quoi. C'est vrai qu'on a tous les deux travaillé là-bas avant de former Ramon et Pedro pour des entités qui étaient vraiment très connues dans tout ce qui était générique. Et puis c'est vrai que nous, c'est quelque chose qui nous passionne, quoi, parce qu'on doit en 2 minutes avant un film raconter une histoire qui va tout de suite mettre le spectateur dans une ambiance, quoi. Alors C'est une revenons à bonne la manière. question. Vas-y, tu voulais finir sur ce thème encore? Je te laisse. Vas-y, Antoine. Juste un tout petit mot, c'est vrai que c'était un bon passage pour nous de passer des choses qui ne bougent pas sur papier à cette passion qu'on a développée pour le motion, en ayant ce filet qui est cette plateforme qui sont les titres de films et génériques de TV. C'était une super passerelle pour nous pour passer du monde figé au monde animé. Ouais, c'est vrai que vous avez beaucoup fait au début. Vous êtes fait une renommée sur ce terrain-là. Revenons à la situation actuelle. Comment vous avez vécu ces 6 semaines et le fait qu'on ne puisse pas faire de tournage, enfin, est-ce que ça a été un problème pour vous? Comment est-ce que vous avez pu travailler? Alors tout d'abord, on en a marre. On peut Maintenant, comprendre, on peut comprendre. mon avis, vous êtes Mais oui. Alors, la situation, elle est que dès le 16 mars, on a délocalisé. Tout le monde a pu repartir chez eux avec des stations de travail du bureau, parce que ben, ça, on l'a pas encore dit, mais on est une petite équipe d'une douzaine de collaborateurs. Donc, on s'est très vite organisé. Chacun a pris son matos sous le bras parce que avec un laptop, ça ne le fait pas forcément, vu qu'on travaille souvent avec des grosses données, des grosses montants, des gros volumes de données. Il y a des choses très lourdes. Il faut quand même avoir un desktop pour ce genre de choses. Donc, très vite, on s'est organisé. Et puis, on a fait du mieux qu'on a pu, comme on dit. Hein. On aime bien cette citation qui disait que, vu que ça nous a été imposé, on n'est pas vraiment dans un mode de homeworking, au sens propre du terme, mais. C'est plutôt qu'on travaille depuis la maison du mieux qu'on peut, en fait. Et puis, ça marche pas trop mal, hein, Laurent. Je crois Ouais, non, qu'on voit ça qu'on a marche pris plutôt bien, des habitudes, ouais. et puis on voit qu'on a des automatismes qui viennent maintenant.
Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une partie du team qui devrait réintégrer les bureaux. Ben, on en parlait ce matin, hein, Laurent, dès cette semaine, voire la semaine prochaine. Donc, on risque d'avoir deux pôles, un pôle bureau et puis un pôle qui va continuer en télétravail pour les personnes pour lesquelles ce n'est pas possible de revenir au bureau tout de suite. Et puis, on va avancer comme ça. Alors justement, pendant cette crise, quelles sont les contraintes techniquement, concrètement pour vous qui devez faire du montage, de la post-prod, mais surtout du tournage hein, on rappelle que vous êtes quand même dans ce domaine-là. On a vu, on s'est amusé avec Victoria de compter les annonceurs qui ont changé leur fusil d'épaule durant cette crise pour adapter leur message. Comment concrètement on peut continuer à travailler quand il faut aussi faire du tournage, par exemple? Ben, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait donc précédemment. Notre background, il est fait ben, certes de tournage et de réalisation, mais il y a aussi toute la partie post-production. Et puis heureusement pour nous, donc janvier, février, on a été occupés, mais comme des malades, à tourner énormément de spots. Puis du coup, toute la partie post-production se fait donc et ça, on a pu le faire justement à distance, quoi. Donc ça, c'était vraiment bien. Et puis après, on a vu que ben, malheureusement, la plupart de nos tournages qui étaient prévus pour mars, avril, mai, ben, tous étaient décalés pour ne pas dire annulés, quoi. Donc Thierry, tu parlais de solutions de rechange. Ben, c'est ou bien réorienter nos clients sur du motion ou de l'animation, ou alors, malheureusement, je dirais, c'est acheter des images de stock, quoi. Donc ça, On en est y a pas tous trop de là. choix. Mais les tournages de janvier-février, vous avez pu les passer? Ils sont passés en mars? Alors, janvier-février, on a tourné. Donc là, vraiment, on était super occupés. Et puis, c'est vraiment ça qui nous a sauvés, je dirais, entre guillemets. Hein. Ça nous a permis de garder une certaine partie de notre équipe occupée sur toute la post-production, l'étalonnage, le montage, la 3D, etc. Toutes ces petites choses qu'il faut faire après le tournage, en fait. Mais toutes ces images, vous pourrez les réutiliser, je veux dire, où il va falloir changer le contexte, parce que je ne sais pas si c'était pour des spots ou c'était pour des films d'entreprise, c'était pourquoi? Parce que les Non, alors spots. c'est un bon point. C'était du spot, et puis c'est des choses qu'on va livrer maintenant. Donc heureusement, quoi. Toutes les images qu'on a tournées, on a pu les utiliser. D'accord, donc c'est des sujets qui peuvent encore tenir la route en mai. Oui, complètement, Ouais, parce que complètement. un des soucis qu'avaient certaines agences, c'est que certains sujets étaient tellement saisonnalisés que tu ne peux pas les reporter, par exemple, au deuxième semestre, par exemple. Ouais. Non, alors là, ce côté-là, on a vraiment eu de la chance, c'est clair. D'accord. Ouais, ça c'est important. Est-ce que vous avez des nouveaux mandats pendant cette période? Alors, pendant cette période, ben, on a remarqué, comme je disais, hein, le mois de mars, ça allait, on avait de quoi faire, et puis le mois d'avril, c'était le silence complet, quoi. Mais au point de ne pas avoir un coup de fil à l'agence, c'était Ah oui. limite angoissant, quoi. Ouais. Wow. Vous êtes plusieurs à nous dire ça. On se pose la question de savoir si la ligne téléphonique fonctionne toujours, parce qu'effectivement, Oui, alors il on était les premiers à essayer y d'appeler l'agence pour voir s'il y avait quelqu'un qui répondait, a... quoi, ouais. Dévié. Ce qu'on a eu qui était assez intéressant, c'était le cas de Sky Switzerland, là, qu'on accompagne depuis quelques années, et qui c'est un diffuseur de contenu pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la Netflix, là. Ils diffusent pas mal de sport et de fiction. Et puis on leur avait fait un ou deux spots avec leur ambassadeur il y a de cela 2 ans, où en fait il était chez lui, seul, en train de regarder son contenu, tout son laptop, sa tablette ou son écran. Et puis, ils nous ont assez rapidement appelés parce qu'ils ont, bah, eux, ils ont beaucoup, beaucoup de boulot pour le coup. Et ils ont voulu surfer sur la vague. Et on a un petit peu brainstormé ensemble et on est arrivé sur une idée de concept où, bah, on a présenté l'ambassadeur en mettant vraiment en avant le fait qu'il est seul chez lui, confiné, mais que pour passer son temps, il regarde du contenu Sky. Et puis voilà, c'était une manière assez intéressante et smart de, avec ce qui existait déjà, pouvoir mettre un message en avant. On rappelle combien c'est difficile, hein, parce qu'effectivement, il y a pléthore de banques d'images en ligne pour acheter du spot, des effets, des images, des extraits. Mais quand on les tourne soi-même, c'est quand même mieux. Je pense que je vais pas me faire contredire, hein, je crois. Ah non, c'est sûr. C'est Il y a fabuleux.
Il y a une grande différence entre l'image parfaite pour un sport comme on l'a conçu et une image qui va à peu près fonctionner, quoi. Ça, c'est sûr. On a vu que certaines agences ont trouvé des combines, parce qu'il a bien fallu amener des sujets en utilisant par exemple une rue vide. Ça, c'était pas mal. Donc là, tu peux quand même tourner. Ça, c'était, là, je me suis dit bravo. Là, c'était la bonne idée, mais tu peux le faire une seule fois. Sinon, c'est vrai qu'à part de l'achat d'images, c'est impossible. C'était impossible. Donc là, aujourd'hui, vous avez repris, vous allez reprendre des tournages ou comment ça se passe? Oui, alors les premiers tournages vont reprendre pour le début du mois de juin. On se réjouit là, parce qu'on en peut plus. Les sets et les studios nous manquent, quoi. Mais ouais, ça va reprendre donc dès le mois de juin. Donc, on est content, quoi. Quels sont les types de clients qui font appel à Ramon et Pedro? Parce qu'effectivement, on parlait du marché international, la qualité suisse. Maintenant, on a pratiquement tous ce petit truc en poche, alors pas forcément de la même marque, hein, avec la pomme derrière, et on se prendrait facilement au jeu de croire que, ben voilà, on est tous des Spielberg, on est tous capables de faire de la photo, de la vidéo. Comment on se positionne avec justement cet avènement technologique qui a atterri dans toutes nos poches quand on peut aussi contribuer à devenir un producteur de contenu. C'est un bon point. Bon, pour nous, si on veut bien, ça change pas grand-chose dans la mesure où ce qu'on a toujours mis en avant chez Ramon et Pedro, c'est le fait de créer des histoires. Maintenant, comme tu dis, qu'on le filme avec un smartphone ou une RED en 8K, peu importe au final, hein, vraiment la chose à mettre en avant, c'est la narration et puis c'est ça qui va toujours faire un bon film. On a vu que maintenant, même si tu filmes en 16-9 ou en 9-16, je veux dire, tant que tu as une histoire à raconter, c'est vraiment ce qui prône, quoi. Donc nous, c'est un petit peu ce qu'on met en avant. Après, peu importe, hein, comme je te disais, quoi, ça peut être de l'animation, ça peut être de la réalisation, ça peut être filmé avec un smartphone. Pour nous, ça va pas changer grand-chose, quoi. Mais pour le client, peut-être, parce que jusqu'à il y a encore quelques années, le coût d'un spot était impressionnant. Ça allait de soi, le fait qu'il fallait, on le passait sur du broadcast, il fallait avoir un set particulier, on prenait une semaine pour faire un spot, on allait chercher des réals à Paris ou je ne sais pas où. Il Enfin, je veux dire, fallait des tonnes et des tonnes de gens sur le plateau de tournage. voilà. Le Ouais. client, lui, c'était, ça avait l'air tangible. Ouais. Mais lorsqu'on tourne avec un smartphone, le client, il se dit, mais attends, je ne vais pas payer pour autant pour. Et puis, comme sur notre marché, on n'a jamais payé vraiment les idées, vu que ça allait de soi et qu'on a toujours payé l'achat d'espace, mais pas la conception d'idées, comment est-ce que vous avez réussi à, disons, à amener les marques qui, elles aussi, se disent, mais je peux faire des choses à l'interne, tu vois? Cette évolution, ce changement, comment vous l'avez entamé comment? Et puis, comment vous arrivez à valoriser aujourd'hui ce que vous offrez? Voilà, c'est exact. Tu mets le doigt exactement sur ce qui fait mal, quoi. Donc c'est vrai que malheureusement, on doit un peu éduquer nos clients, puis leur dire, bah voilà, il y aura toujours quelqu'un qui va vous faire un spot moins cher. Ça, quoi qu'il en soit, ils trouveront toujours un indépendant qui va sortir sa caméra. Mais voilà, mais après, c'est à nous un petit peu, lorsqu'on présente les idées, de présenter des références, de leur montrer là où on veut aller et puis là où on veut les emmener, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile. Puis on se bat presque on voit ces 5 dernières années que les clients veulent de plus en plus des choses avec des coûts réduits. On n'a rien là contre, bien sûr. Mais aussi avec une qualité qui est peut-être pas là où j'entends, on n'a plus cette sensibilité qu'on avait avant, quoi. Ou Thierry, tu disais qu'on était une quinzaine ou une vingtaine sur un set. Ben maintenant, oui, on doit faire avec. Et puis si on engage 15 ou 20 personnes, ben on doit vraiment sensibiliser le client, lui dire voilà, ces gens-là seront là pour ça. Sans eux, votre film va ressembler à ça. Ou vraiment, on doit les éduquer. C'est vrai que c'est pas évident tous les jours, quoi. C'est vrai que quand on est face à des gens qui nous demandent de faire un film pour 10 fois moins que les budgets qu'on avait l'habitude de pratiquer il y a 5 ans avec les mêmes ambitions,
ça devient vite un petit peu Ça devient compliqué, quoi. compliqué. Ouais. Ouais. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas adapté non plus, parce qu'effectivement, selon justement les modes de diffusion et les attentes du client, ben voilà, on peut effectivement, avec des équipes plus légères, sortir 10, 15, 20 capsules pour des réseaux sociaux ou autres diffusions qui, ben voilà, n'ont pas exactement la même qualité qu'un gros film publicitaire, mais qui fonctionne aussi pour les attentes du client. Alors ça, c'est une autre chose qui revient très souvent, c'est que avant les réseaux sociaux, on faisait un spot et il durait quelques mois. Aujourd'hui, tu as le spot qui est en télé, mais en même temps, tu as tes réseaux sociaux que tu dois alimenter et c'est un spot par semaine ou une vidéo. Donc, comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que quand il y a un spot et puis des petites vidéos à côté, vous gardez, je dirais, une approche transmédia, vous avez une ligne je veux dire, toute la communication elle est sur un même thème ou vous changez complètement, vous avez une logique pour le spot et une logique pour tout ce qui est capsule vidéo. Ça dépend un petit peu des cas de figure, mais c'est vrai que ce qu'on propose de plus en plus à nos clients, c'est certes, on fait un spot, et puis après ça, le jour du tournage, on débarque peut-être avec une équipe B qui va tourner d'autres images, et puis on décline ce spot dans plusieurs petits snack content qu'on va répartir comme ça sur plusieurs semaines après la diffusion du spot. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a aussi changé. On ne doit pas penser seulement à un seul spot de 20 secondes, mais à comment est-ce qu'on va pouvoir implémenter une dizaine ou cinq ou six petites capsules qui vont suivre et accompagner la diffusion digitale de ce spot, quoi. Antoine, qu'est-ce que t'en penses? Je suis tout à fait d'accord. Et maintenant, on fait encore de l'image encore plus, je dirais, plus bas de gamme. On a introduit du Skype partout. Parce que maintenant, C'est ça fait ça. 6 semaines où le Skype est devenu comme quelque chose qui n'était pas. Enfin, au début, c'est trouvé horrible. On a eu un commentaire l'autre jour avec notre interview de Darius où quelqu'un n'a pas saisi qu'on était de toute façon en live sur Skype et a dit, mais quelle horreur, arrêtez d'utiliser Skype. Mais ce type d'image va maintenant se généraliser. Bon, on peut, petite parenthèse, hein, pour jouer les techies, on peut utiliser tout ça parce qu'il y a du NDI, et ça va parler à nos deux intervenants du jour. La fameuse norme qui nous permet de traiter Skype comme une caméra et puis faire joujou, comme ici, à faire du multicam. Mais c'est vrai que cette image web commence à être de plus en plus une sorte de norme. Alors, on la voit pas encore ou pas tout le temps sur la télévision. On parlait des spots qui se sont adaptés et qui ont surfé sur la vague du Covid-19 ou de la Covid-19, paraît-il, il faut dire là. Et on a pu voir, par exemple, un grand opérateur national, pour pas le citer, aller piquer tout simplement des vidéos faites par les internautes avec leur smartphone et les intégrer comme ça dans leur spot. Est-ce que c'est, comme le dit Victoria, une norme en devenir, le fait qu'on tourne en 9/16e, qu'on tourne avec un smartphone, qu'on fasse pas forcément attention à l'exposition, qu'on bouge un peu son appareil de prise de vue et tout ce genre de choses, pourvu que le message prime? C'est exactement ce qu'on disait avant. Moi, j'ai l'impression qu'on, malheureusement, hein, pour tout le monde, mais en tout cas, nous, les premiers, on va saigner des yeux pendant les quelques années qui vont venir, là, parce que c'est vrai que ça devient tellement normalisé, le fait de filmer vite fait avec son smartphone ou par l'intermédiaire de sa caméra. Enfin, vraiment, ça devient des normes plus ou moins classiques. Il n'y a qu'à regarder en télé maintenant, mais. Je regardais un bloc publicitaire hier, il y avait deux spots qui étaient faits avec des grabs Skype, quoi. Puis ça passe, les émotions passent et puis les gens se posent même plus la question, quoi. C'est pourquoi? C'est vrai qu'il y a quand même un point positif là derrière tous ces gros pixels qui n'ont pas vraiment la résolution attendue, c'est que c'est une authenticité, je pense, quelque chose qui fait qu'on a l'impression d'être là, c'est moins travaillé, donc il y a une authenticité et il y a une immersion supplémentaire qui se fait de par cette mauvaise qualité, si on peut le dire comme ça. Donc pour certains spots et pour certaines images, je pense que ça peut plutôt bien fonctionner. Mais après, si on veut faire un beau film d'image, c'est sûr qu'il y a des limitations qu'on va avoir de la peine à dépasser. Mais justement, à contrario, ça veut dire que quand ce sera trop beau, c'est du fake. Ah. Ben. Est-ce qu'on arrivera à ça? Parce que tu vois, comme tu dis, justement,
On a une émotion, là, nous, on fait un truc en Skype, tu vois, tu es un peu à contre-jour, c'est pas grave, tu es là. Mais après, si tout était hyper léché, on était tous parfaits, là, on dirait, on passerait, ce serait plus un live, ce serait peut-être un podcast, ce serait un tournage, tu vois ce que je veux dire? Et là, est-ce que c'est moins, on est moins crédible? Comment, tu vois, cette émotion du live, parce qu'on amène de plus en plus dans le. Toute l'industrie de l'entertainment arrive sur du temps réel, qui est le seul moyen d'avoir les gens à un moment donné. Est-ce que c'est pas un danger, ça? C'est le risque, c'est qu'on va, bon, on va peut-être gagner en spontanéité, mais perdre un petit peu en crédibilité, comme tu dis, quoi. Puis c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à l'époque où on a tous découvert le Blair Witch Project, puis c'était le premier film qui était tourné en subjectif, à l'épaule, tout, ça courait, ça bougeait dans tous les sens, puis on était tous là, waouh, c'est génial, c'est un nouveau genre. Et puis depuis, il y en a 100 qui ont été faits comme ça, puis ça devient quelque chose de complètement banalisé. Donc petit à petit, ben, comme c'est une nouvelle forme d'écriture ou de visualisation, je pense que les gens vont redescendre et puis se revenir à quelque chose d'un peu plus léché, moins spontané. Ça, ce sera difficile à prévoir. Un film. Histoire. Oui, oui. Un film d'ailleurs qui avait été travaillé volontairement comme ça. Hein. Tout le monde pense que c'était fait à l'arrache, mais il y avait un vrai concept derrière. Un gros travail. Voilà, exactement. Justement, pour défendre votre travail, on va peut-être sortir un vieil adage qui dit « qui peut le plus, peut le moins ». Ça, c'est juste pour un petit message à ceux et celles qui nous regardent et qui seraient des annonceurs, des clients et qui voudraient faire appel au service de Ramon et Pedro. Sachez que quand on tourne en broadcast en très haute qualité, eh bien, on peut toujours descendre, on peut toujours adapter effectivement les formats pour, par exemple, les balancer sur d'autres réseaux. Moi, je dis ça, je dis rien. Justement, pour revenir sur la question de l'authenticité, c'est une question intéressante sur laquelle j'aimerais bien pas lâcher le morceau. À quel moment vous pensez que ça va plus être possible? Parce qu'on voit le deepfake, on voit les vrais faux, on voit les vraies fausses images amateurs, on en voit maintenant de plus en plus sur les réseaux sociaux. Moi, je dévore des nouveaux réseaux sociaux, des nouveaux contenus chaque jour, et je vois de plus en plus de créativité, d'ingéniosité, des balèzes en 3D. Ça va être de plus en plus difficile de trouver le vrai du faux. Est-ce que ça, c'est la mort du petit cheval, de l'authenticité, du discours vrai, ou la partie technologique va rien changer dans votre travail et dans le message à transmettre pour vos clients? C'est vraiment un super point. C'est vrai que l'authenticité, cet aspect vrai et véridique, de plus en plus, on doit aller le chercher et puis on doit prouver que les images sont fausses, quoi. Mais ça, c'est une démarche qu'on doit entreprendre presque nous-mêmes, et même en news, quoi. On doit aller chercher du contenu qui est véridique et puis s'assurer vraiment de la source de ce qu'on regarde, quoi. Puis je pense que c'est quelque chose qui va se développer un petit peu. Maintenant, on est entre deux, où on croit tout ce qui est diffusé. Mais ça, c'est quelque chose qui va forcément changer, parce qu'on sait que de plus en plus, les images sont faciles à truquer, et comme tu le dis, elles sont de plus en plus réalistes. Donc cet aspect véridique, je ne sais pas où est-ce que ça va s'arrêter, mais je pense que ce sera au spectateur d'aller chercher la bonne information et de s'assurer que ce qu'il voit est vrai, en fait. Merci pour peut-être aussi. Vas-y. Il y a peut-être aussi, je pense, naturellement, un phénomène de lassement qui va arriver dans le public, et les gens vont plus être aussi impressionnés ou à l'écoute de ce genre de supercherie. Et j'imagine qu'il y aura un petit peu le conscient collectif qui va, je l'espère, reprendre le dessus pour pas qu'on aille trop loin non plus dans cette direction-là. Ouais. Mais c'est peut-être un mauvais espoir ou un faux espoir. Ouais, j'allais dire, vous êtes très, comment dire, je vais pas utiliser le terme naïf, non, je suis méchant, mais on est tous très volontairement orientés vers cette bonne version des choses, que le parti pris, que effectivement le jugement des internautes, des téléspectateurs sera plus fort que le fake. Ça devient de plus en plus dur, hein. Ça y est, si jamais vous le saviez pas, vous pouvez maintenant vous inscrire
sur la liste pour devenir vous aussi un avatar sur Facebook. Ça s'appelle Horizon. Voilà, ça y est, la VR débarque sur les réseaux sociaux. Ça va être de plus en plus compliqué, effectivement, de trouver le vrai du faux dans tout ça, parce que pour le moment, ce sont juste des petits personnages animés. Mais voilà, on parlait du deepfake, hein, ceux et celles qui ne connaissent pas ce phénomène, allez faire un petit tour sur Internet, vous tapez deepfake. C'est juste bluffant de voir qu'avec de l'open source et deux, trois machines, deux, trois logiciels, on arrive à faire dire et à poser le visage de quelqu'un d'autre sur un tout autre acteur. Justement, les moyens de prod, est-ce qu'ils vont évoluer parce qu'on a toute cette technologie à bord, mais on réalise qu'il y a des très bons spots, on l'a vu avec Victoria dans les meilleurs de la pub, qui sont faits avec des moyens très très simples. Je ne parle pas de la course à la technologie, aux moyens techniques. On revient sur ce que vous disiez, sur le storytelling. Est-ce que ça, c'est par exemple justement une des valeurs qu'il faudra défendre parce que ce storytelling, il a tendance à disparaître avec les réseaux sociaux, en tout cas sur le vite consommé. Ouais, complètement. Puis je reviens sur ce que je disais précédemment, mais c'est vraiment notre valeur ajoutée. Puis c'est là qu'on peut encore se différencier un petit peu du tout un chacun qui tourne son spot ou sa vidéo d'entreprise ou Dieu sait quoi. C'est vrai que le storytelling, le concept, l'idée, c'est vraiment ce qui prône et qui, je l'espère, prônera, quoi. Toujours. Parce qu'avoir une idée, c'est possible. Mais avoir une déclinaison d'une bonne idée, c'est que les pros qui savent le faire. Et ça, je peux vous assurer, c'était vrai à l'époque de Mad Men, et c'est vrai aujourd'hui, et ce sera vrai demain. C'est très compliqué. On a tout de suite des noms de campagne en tête, hein, Victoria. Oui, Oui, effectivement. ouais. Ah non, non, parce que s'improviser comme, je dirais, publicitaire, ce qu'on appelait avant un publicitaire, qui maintenant est une personne de communication ou qui est, enfin, je sais plus, tout le monde fait tout maintenant. Mais voilà, mais quoi, quel que soit l'entrée par laquelle on arrive sur de la communication commerciale, en faire une déclinaison et avoir plusieurs entrées, c'est très compliqué. C'est pas qu'on improvise, c'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Donc oui, on peut avoir une bonne idée, mais une bonne idée, ça suffit pas. Alors justement, pour désacraliser ça sera presque une question en forme de question finale. Comment la rencontre se fait avec un client pour justement arriver à synthétiser son idée, la transcrire, la poser sur papier, storyboarder, raconter l'histoire pour aller jusqu'à la prod elle-même? Quel est le processus en quelques mots de votre façon de travailler quand vous rencontrez un client? C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a passablement plus que ce qu'on pourrait croire d'instance où on parle avec un client qui arrive chez nous et qui n'a pas vraiment de brief, en fait. Ils savent qu'ils veulent faire un film, ils savent où ça va être diffusé et quand, mais il n'y a pas vraiment de brief existant. Donc, alors ça, là, on met tout de suite, on sort le drapeau rouge, là, et puis la première chose sur laquelle on s'attelle avec le client à faire, c'est un brief qui tient la route, où justement les tenants et aboutissants sont très clairs et où on peut vraiment mieux cerner ou cerner au mieux leur vision. Et c'est vrai que ben, ça, c'est crucial, hein. Alors on le fait très souvent et c'est étonnant qu'on ait besoin de le faire autant que ce qu'on le fait. Et puis après, ben, il y a le passage créa où bien sûr on balance des idées, on aime bien faire les choses un peu de manière, comment dire, où on s'échange Participative, ouais. participative, merci Laurent. Et puis ça, en général, on arrive après à un concept qu'on décline ou pas et on tourne, ça tourne. Excellent. La question du brief, ça, c'est un Pour sujet. l'avantage. Ça pourrait faire un mois de Coming Mag Live, parce que ça revient partout, partout, partout. C'est-à-dire que très souvent, la communication disons, une intention pour arriver à quelque chose. Mais si on ne sait pas où on veut arriver, comment est-ce qu'on peut juger si une com est bonne ou pas? Et c'est fondamental de commencer déjà à savoir ce qu'on veut. Mais c'est un autre Exactement. sujet, mais c'est vrai que c'est très courant par ici, sur notre On marché. va le garder en tête, effectivement, ce sujet du brief pour faire plein d'émissions là-dessus. Mais ce qu'on peut retenir, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, ça rassure un petit peu de savoir que vous aussi, vous êtes confronté à rencontrer des clients qui n'ont pas forcément ce brief,
qui se sont peut-être juste cantonnés à acheter des espaces publicitaires et puis après seulement se poser la question. Alors, allez, cette fois-ci, c'est la vraie dernière question. Comment on sensibilise justement un client à bosser là-dessus, puisqu'on a besoin de cette guideline, on a besoin de ces indications, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il veut vendre, hein, pour parler crûment, pour qu'on puisse le restituer en image, pour qu'on puisse en faire un spot de pub, par exemple? C'est une bonne question. C'est vrai que, comme disait Antoine, hein, c'est notre première vraiment grosse séance de travail avec un client. Quand on se fait un premier meeting où on essaye de fixer des objectifs, de résumer son film en bullet point et puis vraiment d'être le plus clair possible, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des fois où on leur a dit, mais enfin, si vous deviez résumer vos besoins en une phrase, ce serait quoi? Enfin, on a vraiment essayer de trouver des méthodes pour arriver à les cerner le mieux possible, quoi. Puis c'est vrai qu'on parlait avant de notre collaboration avec des agences. C'est vrai que ben, souvent, c'est le travail d'agence. Ils viennent vers nous avec un client et déjà un brief qui est bien formaté. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est vraiment un sacré, sacré travail, quoi. Parfait. Antoine, le dernier mot? J'ai eu beaucoup de plaisir durant ce podcast. Alors attention, attention, c'est pas encore un podcast, hein, Pas... c'est le Non, vieux de si, la si, vieille c'est qui ça. parle. Non, On est encore dans un je l'ai live. trop. C'est juste. J'ai eu beaucoup de plaisir durant ce live, Kevin. On la coupera au montage, non, celle-là. non, mais au moment où vous écouterez les propos d'Antoine entre vos deux oreilles, comme le disent d'autres, eh bien, vous serez dans un podcast. Voilà, exactement. Et merci beaucoup, Laurent, Antoine, pour ce moment partagé, très, très instructif. On vous souhaite de pouvoir à nouveau partir sur le terrain et puis vous faire plaisir à faire de la prod, de la créativité, de la création et puis plein de briefs à accompagner comme ça à tous vos futurs clients. On rappelle, On vous a êtes hâte. Ramon et Pedro, et aujourd'hui vous étiez Ramon et Ramon, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Ça. à vous. À très bientôt et À bientôt, merci. bonne suite. Victoria, il est temps de se dire au revoir. C'est la fin de ce live. C'était super intéressant. On a débordé, mais sans rien voir passer, hein. C'était pas mal. Plaisir, c'est que même ceux qui avaient un peu de stress avant de démarrer un live parce qu'ils n'avaient jamais fait un live comme ça. Ben, ils Oui. trouvent tous que c'est une belle expérience et nous, ça nous enrichit et ça nous fait très très plaisir. Voilà. Exactement, exactement. Alors, ils nous disent tout ça, ils sont un petit peu timides et tout ça, puis après ils en redemandent. Donc on va revenir probablement revoir Ramon et Pedro dans quelques mois, parce que vous le savez, comme une mag live, ça y est, c'est parti, ça s'arrêtera plus jamais. Voilà. Mais ça va s'arrêter cette semaine. Alors je vous le rappelle, lundi, mardi, mercredi, on est à l'aube du 40e numéro, ça sera demain, 15h, ici même. Et puis ben, pendant vos jours de congé, vos jours fériés, vous aurez le droit de venir revoir tous ces lives, de les partager. Merci celles et ceux qui le font sur LinkedIn et tous les autres réseaux sociaux. Et vous retrouvez tout ça, bien sûr, sur cominmag.ch. Voilà. Moi, je vais pouvoir sortir de ma cave. Il est temps. Au revoir à tous. À demain et portez-vous bien.